devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale vu que c'est une vidéo commentée en différé. D'ailleurs la vidéo que vous allez avoir c'est tout simplement un combat contre Drowman, donc un mob recherché à Frigos 3 dans la forêt pétrifiée avec mes collègues de guild. Et donc le sujet de cette vidéo va porter justement sur ma guild, car oui, Anank va mal en ce moment, Anank va très très mal. Et c'est pourquoi je vais faire une vidéo aujourd'hui tout simplement pour vous parler un peu d'Anank, tout simplement parce que on a décidé de faire une Anank 3.0. Donc ça veut dire de nouveaux membres, un nouveau recrutement, de nouvelles règles, etc. Donc déjà je vais vous parler un peu d'Anank. Donc Anank ça a été créé en septembre 2009. Donc une guilde qui a quand même bien exactement 4 ans hein, maintenant, hein, qui a sûrement eu 4 ans il n'y a pas si longtemps que ça, ou qui va bientôt avoir 4 ans dans le mois de septembre. Ça fait personnellement 3 ans que j'y suis, donc Anank c'est une guilde très familiale, où à peu près tout le monde a commencé très BL, donc c'est-à-dire level 60, level 80, et où les joueurs majeurs se sont, eh bien tout simplement, ont évolué dans le temps, sur 3 ans, et se sont retrouvés du niveau le 60-80 au niveau de 200 tous ensemble, donc c'est quand même une belle aventure qu'il y a eu. C'est vrai que cet été, il y a eu une baisse de régime due aux pauses de certaines personnes. Des membres majeurs de la guilde ont donc quitté la guilde pour une raison d'ambiance morte, etc. Car oui, Anank n'a jamais fait la course. En 4 ans, la guilde est à peine level 77 alors qu'il y a 200 levels en guilde. Donc voilà, c'est vrai que s'il n'y avait pas plus d'ambiance dans Anank, ça voulait dire que bien tout simplement Anank serait mort. Donc du coup il y a eu un grand nettoyage de printemps. D'ailleurs je m'excuse peut-être auprès de certains qui ont été exclus, hein, par exemple Oscar Nage qui s'est un peu vexé et qui est parti. Je pense que quand même d'ici quelques temps, s'il le souhaite, il pourra revenir dans Anank. Il y a aussi Sinbox, hein, qui est parti pour faire du AVA, du Alliance contre Alliance, donc qui est bien sûr aussi, je pense, le re-bienvenu dans Anank. Et bien sûr, il y a vous, mes abonnés. Donc moi j'ai décidé, c'est vrai qu'il y a plusieurs membres majeurs de la guilde qui ont mis des choses en place, le meneur, le bras droit, qui ont mis des choses en place pour cette Anank 3.0, et moi donc du coup j'ai voulu mettre ma pierre à l'édifice, sachant que j'en ai déjà fait beaucoup quand même pour Anank. C'est mon petit bébé, j'ai envie de dire, c'est mon petit amour, et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas encore migré malheureusement de serveur, tout simplement parce qu'il y a Anank. Donc voilà, alors c'est tout simplement une vidéo pour vous dire que vous aussi vous pouvez faire partie d'Anank. Tout simplement, si vous recherchez une guilde avec l'ambiance familiale, que vous débutez sans forcément débuter, donc ça veut dire on accepte, je pense, on avait mis level 140, et en fait, comme on a dit, c'était une des plus grandes erreurs qu'il y a eu, donc je pense que arriver au niveau 80-100, honnêtement, vous pouvez rentrer dans Anank, il vous suffit juste de rechercher un esprit familial. Vous ne rentrez pas dans Anank, vous ne postez pas votre candidature sur le forum d'Anank, donc je vous expliquerai pourquoi. Seulement, si c'est pour faire « cool, je suis dans la guilde d'Afreeze », vous ne postez pas votre candidature si vous souhaitez faire du Alliance contre Alliance en étant dans Anank. Vous ne postez pas votre candidature si vous souhaitez faire des sorties donjons, vous souhaitez qu'on vous donne des kamas, que vous souhaitez qu'on vous fasse XP, vous ne rentrez pas dans Anank. Et si vous êtes une team de 8 personnages et que vous rentrez dans Anank en croyant qu'il n'y a que des PGM, et ben ne venez pas dans Anank. Le truc c'est aussi que nous évitons en tout cas de recruter aussi toutes les mulasses des gens, tout simplement parce que ça fait une inactivité dans la guilde, etc. Donc le mieux c'est d'avoir tout simplement, eh bien, vos persos principaux dans la guilde, et on a aussi des règles, etc., un règlement qui autorise normalement, logiquement je dis bien, d'avoir deux mules de chaque personne dans la guilde, mais bon, c'est pas tout le temps très respecté. Alors,
On va parler un peu du forum. Donc déjà, les petites conditions pour entrer dans un Ankh, c'est tout simplement d'être sur Ulette, j'ai envie de dire, de s'inscrire sur le forum. Donc ça sera le premier lien qu'il y a dans la description. Ensuite, vous inscrivez. Un des administrateurs acceptera votre inscription sur le forum. Et ensuite, il vous faudra poster votre candidature. Alors attention, une fois que vous avez posté votre candidature, vous allez avoir une période d'essai où les membres décideurs, du moins les ex-membres décideurs, vu que ça n'existe plus dans la guilde, vont voter oui ou non. Alors il faut que je vous dise quelque chose, 50% de votre acceptation dans la guilde se fait sur la candidature. Donc il faut vraiment essayer pas de faire un pavé de philo pour le bac, mais de faire une bonne présentation, au moins bien écrite, en répondant à toutes les questions de votre candidature. Donc ça veut dire level, pseudo, pourquoi vous voulez rentrer dans un Ankh, un peu votre histoire IG, pourquoi pas un peu d'IRL pour un peu mieux vous connaître, ça serait bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'IRL, mais on aime bien aussi un peu savoir vos mules, votre élément. Pourquoi vous avez quitté vos guildes passées, comment vous avez connu un Ankh, des petites choses comme ça. Il y a un post que je vous mettrai aussi sûrement dans la description. Et puis voilà, en espérant que vous soyez fun et que tout se passe bien et que pourquoi pas une nouvelle aventure commence avec vous. Et comme je vous le répète, il faut pas espérer venir d'un Ankh parce que vous êtes dans la guilde à Freeze. Déjà je suis pas non plus connecté H24 et si c'est le cas, et bien tout simplement je demanderai un kick. Voilà, il n'y a pas de pitié, je demanderai un kick. Donc bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'il y aura quand même quelques-unes de vos candidatures chez un Ankh. Et puis moi je vous dis à la prochaine, allez bye tout le monde, tchuss.